Cette école a une particularité, sa rentrée se fait en musique. Tendez bien l'oreille, des chansons résonnent dans tous les couloirs. Une initiative de l'éducation nationale pour commencer l'année sur le bon rythme. On les accueille, on essaye d'être le plus bienveillant possible pour que tout se passe au mieux. On rassure aussi beaucoup les parents, parce que c'est aussi une source de stress pour les parents. Et si les parents sont stressés, les enfants aussi. En parlant de parents, les premiers attendent déjà devant la grille. 8h20, c'est enfin la rentrée. L'établissement est en REP+, réseau d'éducation prioritaire. Une classe de CE1 a été dédoublée. Une nouveauté, loin des préoccupations des enfants. Je suis trop contente pour la rentrée, de voir mes amis, ceux que j'ai pas vus pendant les vacances, voir mes maîtresses, mes profs, voir ceux qui sont dans ma classe. Et aussi en profiter beaucoup cette année et m'amuser et travailler. Et surtout, j'aimerais beaucoup faire plaisir à mes parents, être la première de la classe. J'aime bien l'école, moi. C'est vrai ? Oui. Qu'est-ce qui te plaît ? D'écrire. Et de faire des devoirs comme ça, des choses comme ça. C'est très bien, vraiment, il faut amener l'enfant à l'école le premier jour, il faut l'accompagner, ça fait du bien. On voit tous les parents avec les enfants. Du côté de certains parents, cette rentrée, comme chaque rentrée, est la bienvenue. C'est un grand jour pour nous. On est un petit peu soulagés quand même, sincèrement. Mais je suis très contente qu'ils retrouvent leurs petits copains et le rythme scolaire. Il est déjà l'heure pour ces CM1, CM2 de découvrir leur classe et leurs professeurs. C'est le premier jour d'un grand voyage qui va durer 10 mois. Et donc à chaque fois, c'est le début d'une aventure. Et c'est ça qui est à la fois grisant parce qu'on ne sait pas où ça va aller. Et puis en même temps, on sait que ça va être forcément des belles étapes. À peine arrivé, le travail commence avec un premier exercice d'orthographe.